Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de points faibles en musculation et aujourd'hui, on va bosser les pectoraux. Parce que, ouais, les pectoraux, c'est assez dur à développer et à bien sentir. Et la plupart des questions que je reçois, c'est ouais, Dams, mes pecs, j'ai du mal à les sentir. Bah, aujourd'hui, je te fais un petit programme tranquillement, histoire de bien détruire tes pecs et les sentir et les développer aussi. Donc, prépare tes affaires tranquillement. Je prépare mon eau, ma petite feuille et ma tablette pour le temps de repos. Et on y va. Premier exercice, on va partir sur un exercice de double contraction au développé couché. Alors c'est simple, tu prends tes haltères, tu fais une demi-rep, tu redescends et tu fais une rep complète. Et là, ça fait une répétition. On va se faire ça 4 fois 10 reps. Allez, c'est parti. Hop, une, hop, deux, allez, 3, 4, 5. 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Ok, je pose les haltères, je mets mon temps de repos, 1 minute ou 1 minute 30, peu importe, tu vois. Pour moi, tant que tu dépasses pas la minute 30, on est bon. Je mets mon petit trait, je l'oublie pas, pour pas faire des reps en plus. Oh. Les pecs. Tu peux les faire, que ce soit sur le banc ou si t'as pas de banc, tu peux les faire au sol aussi. Je reçois beaucoup la question. Mais ouais, moi, je les fais sur un banc parce que j'ai la chance d'avoir un banc. Mes premiers programmes pecs, je les ai fait sur le sol. Je pouvais les faire là, mais c'était en hiver, tu vois. Donc, ce qui fait que le banc et les haltères étaient glacés. Donc, j'ai tout fait à la maison tranquillement. Mais là, t'as le choix. Soit le banc si tu l'as ou le sol, c'est pareil. C'est juste que certains exercices, quand tu descends les haltères, t'auras moins d'amplitude, malheureusement. Mais tu développeras tes pecs quand même, ok? Oh. Je bois un peu d'eau, tranquillement. Là, tu sais, là. Cette vidéo arrivera sûrement après le programme bras. J'ai fait le programme point faible bras. J'ai eu des courbatures pendant 3 jours. J'étais en off pendant 3 jours. Là, c'est le quatrième jour. Je ressens un peu mes bras, mais je me dis, c'est bon. C'est incroyable. J'espère que le programme bras, tu l'as fait. C'est très important. Le programme point faible bras. Parce qu'il va te faire du bien celui-là. 1 minute 21. C'est bon pour moi. Je me sens bien. On repart. Double contraction. Toujours. Allez. Hop. Une. Ok. Deux. Ok. Trois. Ok. Allez. Quatre. Allez. Cinq. Allez. Six. Allez. 7, hop, 8, 9 et 10. Ouf. On est bien, je mets mon temps de repos tranquillement et mon deuxième trait. Là ça va, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Là comme je t'ai dit, les pecs, c'est vraiment ce muscle-là que beaucoup de personnes ont des problèmes. Que ce soit pour les développer ou que ce soit pour les ressentir, tu vois. Mais après, voilà, les pecs, c'est ce qui se voit le mieux à la plage, d'accord. La plage, t'es torse nu, tu veux des pecs. Donc moi, je viens pour te sauver, même si que... À l'heure où tu vois cette vidéo dans le contexte actuel sanitaire, c'est compliqué. Mais bon, il y aura une fin à tout ça. Normalement, si tout se passe bien, il y aura une fin. Et le temps que la fin arrive... T'auras le temps d'avoir ton corps, d'accord? T'auras le temps d'avoir ton body. Donc aujourd'hui, on construit ce body. C'est très important. 53 secondes, on va repartir à 1 minute. Parce que ça va, c'est un exercice qui me met bien. Un bon exercice d'échauffement pour la suite. Donc je suis chaud. Mais toi, tu peux prendre 1 minute 30. Si jamais tu sens que t'es KO. Ou alors si tu fais ce programme. Ou alors si t'as déjà fait un programme avant. Allez, on y va. Hop. Une. Hop, allez, 2, 3, 4, allez, 5, 6, c'est très bien, on y va, 7, 8, 9, dernière, et 10, ok, je pose mes haltères délicatement.
pour pas me blesser. Je mets le temps de repos. Et un troisième petit trait. Oh. Ouais, comme je t'ai dit, hein, le problème biceps, il m'a mis mal, les mecs. Il m'a mis mal. Ça, c'est pour que vous progressez. Hein. Avant, je faisais des trucs beaucoup plus durs, beaucoup plus intenses en salle de sport. Mais cette intensité-là, j'ai réussi à le ramener à la maison et te faire un petit problème avec. Et franchement, ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien. Ces programmes-là, comme je t'ai dit, hein, j'aimerais vraiment les faire en salle de sport. Créer un petit truc en salle de sport, mais j'attends d'avoir plus d'abonnés. Clairement, histoire d'avoir un pouvoir. Clairement, sur les salles et sur les patrons des salles. Parce que sur YouTube, c'est comme ça que ça marche. Plus t'as des abonnés, plus t'as un pouvoir indirectement. Et là, tu peux exiger des choses, tu peux proposer des choses. Et on sera plus à même à te dire oui, d'accord. Malheureusement, c'est comme ça. Comme quand j'avais demandé quelque chose à une marque, on m'a dit, t'as combien d'abonnés déjà? J'ai dit, ouais, j'ai 300 abonnés. On m'a dit, c'est mort, mec. Il faut minimum 10 000, minimum 5 000, minimum 6. À chaque fois, il y a un minimum à avoir. Donc nous, on va avoir ce minimum et on va négocier des choses pour te faire du gratuit. C'est important. 1 minute 16, on repart pour la dernière série. Allez. Hop, une, allez, deux, hop, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, allez, neuf, et dix. Ok, on est bien. Hop, voilà. Je mets mon temps de repos. Là, tu prends 3 ou 4 minutes de repos ou 2 minutes si vraiment t'es chaud. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Alors, celui-là va faire mal. On va prendre les haltères. On va faire 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre côté. Et juste après, 10 reps avec les deux. Mais les 10 reps avec les deux, on va rapprocher les haltères. D'accord ? Histoire d'avoir une bonne contraction. C'est parti, mouvement de départ, il est comme ça. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, on rapproche bien les haltères. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets mon temps de repos et mon petit trait. J'avais déjà fait un programme similaire à la maison. Et franchement, il fait super mal. Il fait vraiment super mal. Mais t'as pas le choix. Si tu veux développer tes pecs, si tu veux avoir des sensations, tu vas avoir mal, tu veux progresser plus vite, il faut que tu souffres. C'est important. Repos. 1 minute ou 1 minute 30. Mais franchement, si tu prends 1 minute, c'est que t'es chaud. D'accord ? Tout dépend de la charge que t'as pris, mais c'est que t'es chaud. Et en parlant de charge, fais bien attention, si tu sens que tu galères, baisse un peu les charges, d'accord? Là, t'es tout seul, t'es à la maison, t'es avec moi, d'accord? Donc, ça veut dire, personne te regarde. C'est, il n'y a aucun mal à avoir, aucune honte à avoir, à ne pas arriver, à ne pas soulever lourd. Prends des charges légères, fais tes exercices, tu vas gagner en force et après, tu prendras des charges moyennes. Et après, lourd, si vraiment t'es chaud, t'es un bœuf. D'accord ? Mais comme ça, tu vas beaucoup plus progresser. Avec des charges basses, puis moyennes, puis lourdes. Tu vas progresser. Là, c'est un programme dur. C'est un enchaînement dur. D'accord ? C'est plus la rigolade, là. On n'est plus dans le programme facile. Là, on est dans le développement musculaire. On est dans les points faibles. Donc, on matraque les points faibles. C'est parti, on y va. Hop ! Position de départ. On y va. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3,
4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait les deux en même temps maintenant. Une, on rapproche bien les haltères. Allez, 2, 3, allez, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. On met le temps de repos et mon deuxième trait. Là, on est bien, on fait les choses bien. C'est important. Oh. Là, tu vois, c'est un exo où quand je suis en unilatéral, je mets un peu de dynamique, tu vois. Même quand je compte, c'est 1, 2, 3, tu vois, on va vite. Parce que si je prends du temps et je prends et je contrôle et tout, après je vais pas assumer derrière. Je vais pas assumer. Comme j'ai une charge moyenne pour ce que je fais, je vais pas assumer derrière. Donc on met un peu de dynamisme. Et ça fait une genre de pré-fatigue, tu vois. Donc les pecs, ils aiment bien ça. Ça fait un tempo. Ça fait de la rapidité. Ça. C'est bien, ça stimule, tu vois. Et c'est ce qu'il faut pour progresser. On n'a pas le choix, les mecs. On n'a pas le choix. Les trucs faciles, c'est bien, mais au bout d'un moment, ton corps a besoin de changement. Il a besoin de difficultés. D'accord ? Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux changer, tu veux progresser. Et aujourd'hui, on va progresser ensemble. 1 minute 13. Ouais, vas-y, on va repartir. 18, 19. On va repartir. C'est très bien. C'est la troisième. On fait les choses bien, les mecs. On y va, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. C'est pas mal, on y va. Les deux et on rapproche bien les pecs, enfin bien les haltères au centre. 1, 2, 3, allez. 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Incroyable. Là, je commence vraiment à avoir mal. Je commence vraiment à avoir mal. Hop, troisième. Ce problème, il est bien. Que ce soit en commencement de séance, genre tu mets ce programme là, mais après tu fais soit mes petits exercices, soit un programme complet. Mais si t'es un show, si t'es fou dans ta tête, tu le fais en fin de séance. Ça veut dire que tu fais n'importe quelle séance, ou alors tu fais mon programme que j'ai fait complet au niveau des pecs. À la fin, tu rajoutes ça. Je peux t'assurer que là, ça va être dur, d'accord. Tu vas considérer ton début de séance comme un échauffement et là, ça va commencer. Il y a trois exos, ça va commencer. Ok ? Oh. Là, c'est la dernière. 53 secondes. On est bien. Là, j'ai vu une vis qui vient de sortir de mon banc. Je sais pas combien de temps on va tenir, mais on va le finir ce banc. On va le finir. Ouh. Je tiens d'ailleurs à vous remercier hein, pour tous les j'aime, tous les commentaires, les partages, les questions, les remerciements en dessous des vidéos. Et aussi sur mes réseaux sociaux, enfin sur mon Instagram, les remerciements. Je réponds à tout le monde, je parle à tout le monde. Et je suis pas une star les mecs, donc si vous avez des questions, discutez et tout, je suis là. D'accord ? Bon, pas tout le temps, mais je suis là quand même. Je suis là pour tout le monde. 1 minute 30 au repas. Allez, on fait les choses bien, c'est important. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas dur. 6, 7, 8, c'est pas dur. 9 et 10, l'autre côté. 1, 2, c'est pas dur, les gars. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est tout seul. 9, 10, y a pas d'assistance, il n'y a rien. Et là, on rapproche bien les haltères au centre. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, on progresse, 7, 8, 9,
et 10. Ok. Les mecs, si ça fait mal, c'est que ça bosse. C'est important. Là, je mets mon quatrième trait. On est bien. J'ai mis mon temps de repos. Tu prends 2, 3 ou 4 minutes de repos. Tout dépend de ta fatigue et de ta récupération. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va se faire un exercice qui est pas commun. On va se faire du développé couché en prise supination. D'accord ? Ça veut dire que tu prends des haltères comme ça. Hop, et tu... Hop, tu les lèves comme ça, ok ? Ça, ça va plus travailler la partie basse des pectoraux. C'est un mouvement assez difficile, parce que c'est pas commun, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, baisse au niveau des poids. Il se peut que tu sentes tes biceps dans cet exercice. Mais nous avons travaillé les pecs au début, bien travaillé les pecs, pour que les pecs soient sous tension, les pecs soient en feu, les pecs soient déjà fatigués. Donc là, le ressenti des pecs, il va se faire, d'accord ? C'est important. On y va, on fait 4 fois 10 reps. Hop ! On ramène bien les haltères là, au niveau du bas des pecs, et on y va. 1, 2, on bombe le torse. 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Repos. 1 minute ou 1:30, peu importe. En fonction de toi, de ta récupération, des charges que tu as choisies. Mais pour moi, tant que tu dépasses pas 1:30, on est bon les mecs. On est bon. Ouh. Je commence à avoir chaud avec ma combinaison là. Mon haut du staff de Fitness Park. Ce haut là, je l'ai eu quand j'étais Ejiri Fitness Park à Pantin dans le 93. C'était bien cette période hein. J'avais même pas 1000 abonnés sur YouTube. J'avais peut-être 500, 600. Je faisais quelques vidéos, mes premières. Et j'étais Ejiri de la salle. Je pense que j'étais même pas encore bien sur YouTube hein. Je commençais YouTube je pense. J'étais Ejiri, je faisais des vidéos et tout. Oh, c'était ma meilleure vie. Je payais pas les salles. J'étais bien. Je pense que jusqu'à maintenant mon abonnement de Fitness Park il est... Je sais pas si j'ai encore ma carte VIP. Mais j'étais bien, franchement j'étais bien. Ouh. 1 minute 10. On va repartir tranquillement, mais toi tu peux prendre 1:30. Allez. Hop, haltère, bien en bas des pecs. Et on y va. 1, 2, allez, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ouh. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Sachant que moi, comme j'avais fait mon programme biceps là, et je ressens encore la courbature, je sens un peu mes biceps prendre un peu le dessus au niveau des courbatures. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et très important ce que je vais dire, je vais le redire dans plusieurs vidéos, tu peux pousser sur des courbatures. Les courbatures ne veulent pas dire arrêt du sport, repos. Tu auras tout le temps des courbatures pour la plupart des exercices. Quand tu fais du changement, quand tu fais une activité physique, tu auras des courbatures. Mais tu peux travailler sur des courbatures, d'accord ? Tu vas pas te blesser, tu vas... Non ! Échauffe-toi bien avant, fais quelques séries d'échauffement, et après tu fais ta séance. Des courbatures, tu vas pas... En fait, les courbatures, quand tu seras dans ta séance, tu vas plus les sentir, ils vont disparaître. Ils vont venir après ta séance et le lendemain, d'accord ? Mais au bout d'un moment, tu auras presque plus de courbatures. Là où tu en auras pendant longtemps et toujours et... pratiquement tout le temps, c'était séance jambes. Là, ouais, là, ce sera compliqué. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas les jambes, dont moi, ok. 1 minute 15, on va repartir pour la troisième série. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Ok. Oh. Voilà. On sent que c'est la fin de la séance là. J'ai mon temps de repos. Mon troisième trait. Et on est good. On est good, on est good, on est good. Après ouais, à la maison, tu peux te faire plein de programmes de musculation. Tu peux développer du muscle, conserver du muscle. Mais les mecs, on va pas se mentir, la salle de sport, c'est la base. Si tu veux vraiment aller plus loin en musculation, progresser plus vite, la salle de sport, il n'y a pas mieux les mecs. Il n'y a pas mieux parce qu'il y a plein de machines, il y a plein de trucs et tu fais les choses bien. Mais, j'ai un truc à dire par rapport à ça. Quand je vais en salle de sport, je suis pratiquement que sur un banc avec des haltères. Moi, ce qui m'arrange en salle de sport, c'est pas les machines. C'est les haltères et les différents poids qu'il y a. Parce que quand t'as un halter où tu dois régler, faut changer, faut mettre et tout, ça perd du temps. Tu vois, tu perds beaucoup de temps. Or que quand t'es en salle, je prends mes haltères de 30, je fais ma série, je change, je prends les 20, je fais ma série. Et là, tu gagnes du temps. D'accord ? Toutes les machines, guidées et tout, je les fais pas forcément, je vois pas trop l'intérêt. À part pour le dos, mais tous les autres muscles, voilà, je les fais en fin de séance quand je veux un peu jouer avec les machines. Mais c'est tout. D'accord ? C'est pour ça que là, dans mes programmes, je fais plein de trucs avec Alter parce que ça reste la base pour moi. Et t'évolueras vite avec ça. Et moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'ai commencé la musculation, mais je n'ai pas eu. Dernière série, les mecs. Hop ! Allez ! Hop ! Mais les haltères en bas, des pecs, et on y va. Une, deux, trois, autres, je pense, descend bien en bas. Quatre, cinq, on monte bien haut. Six, allez, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets pas mon temps de repos parce que la séance elle est finie pour moi. Je mets mon petit trait et on est bon, la séance est finie pour moi. Pour toi, je sais pas. Je sais pas si tu commences par ça et tu fais un programme derrière. Un autre de mes programmes ou un programme que tu as déjà fait ou que tu as écrit, tu fais ce que tu veux après. Moi, c'est tout pour moi, je vais te laisser ici. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, c'est très important pour moi, ça me fait plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon Instagram si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.